Et on a aussi Gastigretti parce qu'on a fromage et dessert, hein, prix cacao. Eh bah oui, cacao. Et non, Gastigretti, très très déçu la dernière fois. On a tellement cherché à le détendre que il s'est jamais mis dans la course. Donc là, il arrive avec beaucoup de fraîcheur. Je pense que c'est un atout. On a choisi de ne pas laisser Montgomery après sa contre-perf. Et donc, je pense que c'est un vrai atout pour ce prix cacao. Le cheval est bien. On va le monter un peu plus dans le coup, qu'il s'endorme moins. Voilà, il a besoin de nous rassurer. Je vous avoue que la dernière fois, j'ai pas trop d'excuses qui le fait qu'il soit aussi mou. Donc on va le re-regarder courir. C'est un cheval qui vaut un lot comme ça, qui vaut doudingue, qui est bien placé au poids. Voilà, faut juste qu'il me rassure. S'il refait ses valeurs de début de saison, il n'y aura pas de souci. Maintenant, il y a pas mal de points d'interrogation quand même. Le terrain ? Ça sera pas un souci pour lui non plus. Je pense que ça sera un cheval qui va apprécier ce terrain-là et les 4400 mètres aussi.